tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo voilà, sur ce Fiat Agri sorti hier. Donc désolé, hein, j'ai pas eu le temps de vous faire les vidéos. Donc voilà. Pour ceux qui sont amoureux voilà, des vieux tracteurs, franchement, il est très bien. Vous voyez. Il y a plein de petites options, etc. Donc, on va voir ça ensemble. Une fois que vous l'aurez téléchargé, il sera dans les tracteurs moyens. Voilà, il coûtera 33 000 euros, sans option, sans rien. Voilà, vous avez 160 ou 180 chevaux. Les pneus habituels, hein, Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, Wallerstein, Nokian. Voilà, sur toutes les roues, hein, vous n'avez pas le choix de roues jumelées. Si. Voilà, il n'y a qu'en Trelleborg, je crois, Michelin. Voilà, en Trelleborg et en Michelin, donc voilà, vous avez différentes roues jumelées. Voilà. Ensuite, vous avez le bras arrière. Donc, soit mécanique, comme dans l'ancien temps, ou hydraulique. Ensuite, voilà le filtre à air. Donc, soit vous l'avez bas, soit vous l'avez haut. Voilà. Et avec différents pots d'échappement. Vous avez le choix des garde-boue. Donc, voilà. Garde-boue à l'avant. Et à l'arrière, aucun garde-boue à l'arrière. Voilà, tous les garde-boue ou rien. Ensuite, donc les gyros, vous avez le gyro de gauche, le gyro de droite, aucun ou les deux. Après, le front attacheur, donc voilà, c'est devant que ça se passe. Donc vous avez soit le support de poids, soit des poids à l'avant, une masse avec une barre pour, voilà, ça vous fait un petit guide, ou directement le relevage à l'avant. Donc on va mettre celui-là. Et le choix de la plaque, si vous le souhaitez. Donc, le voici, il est en semi-power shift. Donc voilà, et là vous voyez, on voit un tout petit peu la barre devant, voilà, ça vous fait un petit guide. Bon après, il avance pas super super vite, hein. Mais par contre, il a un petit avantage, c'est qu'il est extrêmement maniable. Là, vous tournez. Même dans les petits endroits, etc. Vous voyez, hop. Il braque vraiment court. Et ça, c'est vraiment un petit plus. Ah, par exemple, vous avez
des petits endroits, etc. Voilà, comme ici. Vraiment bien ce tracteur. Donc voilà, bon ben les gyros, hein, ça fonctionne correctement. Voilà, vous pouvez ouvrir le toit ouvrant. Donc voilà, il vous suffit simplement de faire L1 et le joystick de droite, de gauche à droite pour l'ouvrir. Si vous faites L1 et le joystick de droite, pareil, voilà, vous ouvrez la vitre arrière. Vous avez le son de l'animation. Et si vous faites, je vais mettre de l'autre côté, voilà. Si vous faites L1 et R1, et toujours le joystick de droite, voilà, vous ouvrez la porte. Et vous avez le bruit. Il est vraiment voilà, comme je l'ai connu, on va dire un petit peu quand j'étais gamin. Donc voilà, vraiment un super tracteur. Et en tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Et puis ben, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.